Concernant ce morceau, on a augmenté la vitesse 74. On va pas aller plus vite parce qu'il y a deux trois choses à corriger. Alors déjà, la main droite légère même. Okay, on la soulève un petit peu comme ça. La main gauche, au contraire, assez lourde. Et donc on l'a dit, surtout, on tient bien la ronde ici, hein, cette ronde qui démarre hein, la dernière ligne. À la main droite, ça, et prépare ton mi bémol à l'avance, parce qu'à chaque fois tu te fais surprendre, c'est dommage. Il faut que ton deuxième doigt, tu arrives à le placer là sur le mi bémol. Bon, ok, voilà, ça c'est les petits détails. Alors maintenant la position, c'est ce dont on a parlé, surtout dans le dos déjà bien droit. Si tu vas en arrière, tu vas sortir tes mains du clavier. Donc déjà, tiens le dos droit ou en avant, à la rigueur, mais pas en arrière. Et ta position, il faut que ta main elle reste sur le piano. Il faut que tu trouves un moyen pour faire un geste qui ne soit pas celui-là. Tu recules le coude et tu sors la main du clavier. Ça, c'est pas bon. Il faut que tu restes sur le piano. Tu peux toujours faire un petit mouvement. Voilà. Je fais un petit mouvement, mais je reste sur le piano. Et les doigts articulent. Ils peuvent donc avoir de la force. C'est possible. Mais en aucun cas, je vais faire comme ça. Et je vais sortir du clavier. Voilà. Il faut que tu arrives à corriger donc, la position de ta main, de tes mains, pardon. Et jouer avec le métronome à, on a dit, 74, et puis corriger ce qu'on a dit, donc le mi bémol à préparer, la remonte, voilà. Ok.